Tac, bon, j'en profite pour tout voler dans la salle des profs, je pense. Oh, je vais dans leur chambre carrément, quoi. Pam, pam. C'était bien la sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire par ici? Un peu de tunasse. Ok, il faut que j'apporte des lignes pour améliorer l'Alohomora et ouvrir les autres serrures. Professeur Fig, j'ai bien reçu votre dernier hibou. Je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction pourtant peu récente de la pénalité du tasse-but au Quidditch qui, à mon humble avis, a permis à ce sport de se moderniser. Il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui ne demandent qu'à voir les gardiens de Quidditch se faire aplatir. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous, au ministère, tenons à vous garantir que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec le plus grand sérieux. J'ai pris acte de vos inquiétudes et dès qu'il en aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête est menée si son emploi du temps le lui permet. Nous accordons beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous et vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder 2 places pour la finale de Quidditch de la saison. Je suis sûr que vous serez enchanté de voir ce qu'un gouvernement efficace et bien organisé peut accomplir. Très cordialement, Faris Panim, ministre de la Magie. C'est la chambre du professeur Fig. Je vais aller fouiller dans ses affaires personnelles et je le ferai chanter, bien sûr. Lance Revelio révèle les figures d'autorité. Moi, bon, y a pas de souci, y a personne, non? Y a quelqu'un. C'est quoi? Rappel à destination du personnel. Les elfes de Maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu par ce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cage de pétards surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue, tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Pif. Je vous prie de vous montrer vigilant, Mathilda Weasley, directrice adjointe. Sacré Pif. Y a rien par ici? Chut. Soyons discrets. Attirer les ennemis par surprise, ça veut rien dire. Je t'attire par surprise. Tu es surpris d'être attiré, tout simplement. Oh, jamais de la vie, tu rigoles ou quoi? Moi je rôde, moi je rôde. Vous êtes fait attraper. C'est très grave vu comment c'est écrit. C'est pas grave, reprenons. Oh, je reviens là. Bon. Je vois pas comment je peux les attirer, genre c'est quoi l'intérêt? Genre si je tape là-bas au bout? Ok, bizarre. Bizarre l'ambiance. Dessous, je suis senti dessous, c'est un jeu de mots de rien, les gars. Décevant, je dois dire. Oh, il y a les profs, faut pas que je me fasse choper. Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre la conique et la spodèse. Oui, il est encore tôt, et ils ont le temps de s'améliorer. Ah, vous dites cela,
très peu discret. Elle veut pas bouger, ça doit pas être là qu'on doit chercher, je pense. Oh, jolie statue. Révélio. Il n'y a pas de petit révélateur. Salle de bain des préfets et l'infirmerie, ok. Mais pourquoi c'est interdit d'aller à l'infirmerie la nuit, genre si on est malade? C'est quoi C'est là? peut-être la salle de bain des préfets. Allô, Mora. Parfait. Allons prendre un petit bain. Oh, stylé de fou. Je pense qu'on pourra revenir une fois que genre bah sans être embêté à devoir être invisible et à pas se faire prendre, tu vois. Je pense, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même. Hop là! Une carte somptueuse! Je suis obligé, Edgar Pipotin! Il y a la manie des chasses d'eau, j'y peux rien! Que j'abuse. J'ai un petit peu abusé apparemment. C'est pour ça que je dis que normalement on peut revenir dans un autre moment. Ce serait bête quand même. Oh, la tour de l'horloge là-bas. Oh, quelle beauté. Quelle beauté, quelle beauté. Hop là. Fontaine de la licorne. Cette majestueuse fontaine de licorne ajoute un sentiment de sérénité et de calme à l'infirmerie de Poudlard. Et effectivement, je suis con. Là, c'est la nuit, donc c'est fermé de partout et surveillé. Mais en vrai, le jour, on peut parfaitement le faire. Oui. Bonjour. Oh, essayez. J'espère que je suis pas mis tout en bas, dis donc. Sinon, ce serait injuste, dis donc. C'est injuste, dis donc. Bon, bah retournons, hein. Tac. Bon, là, ça va, on a juste à monter en vrai. Par contre, faudra revenir en plein jour parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Bref. Voir là-bas. Mais il est con! Là-bas! Mais quel bolos ce mec. Il est monté, hein.
Revelio. Ouais, mais en même temps, t'es stupide. Tes oreilles, elles sont dans tes yeux ou quoi? Ça veut rien dire, cette phrase. Recommençons. Encore une fois, le... Ouais, les pipotins. Voilà, casse tout. T'as raison, on voit des cerfs n'importe où. La serrure, elle est tout en haut. Il me semblait qu'elle était plutôt dans les étages du bas dans les films. Et bon, peut-être que Poudlard a changé depuis. Et camp là en fait, faut l'attirer genre là-bas. Voilà, ça c'est un bon move de la part du joueur français. Je voulais parier quelques galions sur Poufou. Mais elles sont plus que deux. Ah, merci. Serdaigle n'avait aucune chance, c'est parce que je fais pas partie de l'équipe, ça, madame, pas encore. J'ai cru entendre quelque chose. J'ai dû me tromper. Oui. Enfin bref, j'avais de grands espoirs pour Poufsouffle. J'avais enfin décidé d'apprendre les règles du Quidditch. C'est un sport très honorable. Il représente tout ce qui compose. Révélio. Moi, je vous le dis, Serdaigle aurait gagné. Il aurait du Quidditch, j'aurais été. Pas attrapeur. Attrapeur, c'est trop. Niche. Moi, je vais être poursuiveur. Dans Hogwarts Legacy 2, je serai poursuiveur dans l'équipe de Serdaigle. Et on va tout casser, hein, je vous le dis. Pam, 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 pam. Revelio. Personne là? Vous êtes sûr? Je peux faire ça? Le gant de Thanos en géant. Carapace de tortue incrustée de pierres précieuses. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu originaire des Fidji. Toutefois, les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créés par un sorcier fou près de Versailles. Le château du sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs qui ont emporté avec eux les l'éblouissante carapace. Celle-ci a finalement été retrouvée plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances dans les Ardennes. Sympa les petites vacances là. Hey bolos. Bon là-bas si j'y suis. Attends deux secondes la clé, j'ai pas le temps là. Y'a personne mec. Coucou. Bonjour monsieur Mooney. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Hollard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. En vrai, Allo Homora, ça m'intéresse beaucoup, donc... J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. De rien, monsieur Moon. Sur ce... J'ai eu raison de vous demander de l'aide.
Avec grand plaisir, tu rigoles ou quoi? J'ai toujours adoré aimer les concierges. Toute ma vie, j'ai des... Oh, niveau 20, messieurs, dames, niveau 20! Ça impressionne, hein? Mais c'est bizarre parce que là, tu vois, je me balade comme je veux, c'est la nuit. Il n'y a personne qui m'embête, quoi. Et moi donc, pas du tout. Non, Toby! Ils veulent jamais se laisser voir en train de faire le ménage là. M'énerve ça. L'élève s'enfuit quand Pivs fait des plaisanteries. Salut Pivs. L'humour, s'il vous plaît. Eh mais ils sont pas bien rangés mes sorts là. Tac. Oh c'est mieux. Ok je vois. Je sais parfaitement où c'est. Eh grande salle. Alors 24, 24. On a 0, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 7, ça fait 16. 8, il faut 8. Le 8, c'est l'araignée. L'araignée, s'il vous plaît. Merci. Numéro 2, 11 plus 0, ça fait 11. Il faut 3. 0, 1, 2, 3. Le dragon à 3 têtes, l'hydre. Non, c'était lui, il revient. Voilà. Donne-moi mon trésor. Oh, une bibliothèque pour la salle sur demande. Bien. Petite mangathèque là. On se fait plaisir de fou. Je te suis. Où vas-tu? On a encore tellement de lieux à découvrir, je pense. En vrai, on n'avait jamais été dans les grands escaliers et la grande salle, c'est fou. C'est quand même super emblématique. One shot. Comme dirait Maître Gims, one shot. Voilà là-bas. Merci. Allô, Omora, livre des sorts et enchantements, chapitre 7. Hop là, un petit manteau de braconnier dans Poudlard, évidemment. Où suis-je? Où suis-je? Je suis au-dessus de la grande salle. Je connaissais pas cette petite pièce sympathique là. Un petit débarras en soi. Oui. Le plafond de la grande salle. Le plafond de la grande salle a été ensorcelé de façon à simuler le ciel au-dessus du château et imiter la météo du moment. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Magnifique, magnifique. Pupitre hibou. C'est sur ce pupitre enchanté que les grands directeurs et directrices de Poudlard, tels que le professeur Black, s'adressent aux élèves. Oui, bonjour, ici professeur Black. Fin d'imitation. Viens, papillon. Elle est où ta maison à toi, déjà? Est-ce qu'on a vu ta maison d'ailleurs? Elle est là.
Là. Petite fiche de Poudlard. Allez, on va faire quoi maintenant? Créature magique? On va en créature magique. Go go! J'ai vu une clé. C'est quoi là? Non, je vais aller aux créatures magiques. On viendra plus tard, je sais pas c'est quoi, mais on reviendra. Hop, la petite clé. Pardon. Excusez-moi, je... J'ai mis un petit coup un peu trop rapide au début, je sais pas, j'avais une frustration à faire partir. Allô, Mora. Maintenant je vais ouvrir toutes les portes, hein, je vous préviens. On va rien rater. Hein. Oh le one shot. Quel talent. Si je rate ma carrière d'horreur, je vais devenir serrurier. Écharpe désert clair. C'était chouette. Ah, c'est les cachots. Les cachots de Poudlard. Salut les gars, vous sortez la nuit vous aussi? Port du viaduc. On découvre plein d'endroits, hein. Petites herbes, c'est sympa comme tout ici. Ouais. La statue de loup-garou là. Y'a rien à faire dessus? Une statue, mais je sais pas c'est quelle statue. Port souterrain? Ok. Beaucoup de choses intrigantes par ici. Je sais pas si ça a fait quelque chose. Je ne sais guère. Y a rien à révéloter ici. Là, je connais. On est déjà venu ici. Si je prends l'élan, je peux sauter? Non. Est-ce qu'il y a un indicateur à 2000 lunes ou pas? Je ne pense guère. Il avait dit qu'il y en avait aussi après Olar, il me semble. Du coup, ben, on ira après Olar. De toute façon, on y retourne tout le temps. C'est trop important, après Olar. Ah, les créatures magiques. Enfin. Enfin. Je vais adopter des animaux tout mignons. Là. Excusez-moi, je me suis assoupi, je... Pardon. Action. Non. Pardon, bonjour. La prof est pas là? Waouh! Cette vidéo était extraordinaire.
N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.